Aujourd'hui, on va parler de Earth Divers, qui est un album qui est signé Stephen Graham Jones et dessiné par Davide Gianfelice, et c'est sorti chez Black River. Alors, quand vous voyez la couverture, vous avez compris qu'il va être question de pirates, d'indiens, de traverser l'Atlantique. Alors, je m'explique. En réalité, vous le savez, l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb en 1492. C'était pas spécialement le type de continent sur lequel il pensait poser le pied. En tous les cas, c'est ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que dès l'instant où les colons ont découvert ce nouveau monde, eh bien, ils ont décidé de se l'approprier. C'était pour l'Europe une porte de sortie pour de nombreuses personnes qui souhaitaient prendre un nouveau départ. Et puis, évidemment, s'emparer des richesses et des ressources à disposition. Alors, la colonisation de l'Amérique ne s'est pas passée extrêmement bien, en tous les cas, surtout pour les gens qui y habitaient déjà, c'est-à-dire toutes les populations indigènes, ce qu'on appelle les Amérindiens. Pour eux, ça a été un massacre, ça a été une espèce de long génocide programmé, au point que, au bout d'un moment, eh bien, les rares survivants en tant que tels se retrouvaient parqués dans des réserves, et que ben, les fameux récits à la Hollywood, hein, les cow-boys et les indiens, nous les présentent très souvent comme les méchants de l'histoire, alors qu'en fait, ils ont juste subi une arrivée massive de colons en provenance d'Europe qui se sont emparés de leurs terres. Bref, tout ceci pour vous dire que le héros de l'histoire qui s'appelle Tad, qui appartient au 22e siècle, nous sommes un peu plus loin dans le futur, a découvert avec différentes personnes, dont sa compagne, ils ont découvert une grotte assez particulière dans laquelle, dès l'instant où l'on pénètre, on se retrouve projeté dans une époque liée au passé, liée à un objet que l'on porte sur soi. Alors il faut rentrer complètement nu, avoir un objet qui se réfère à une époque bien précise, et on s'y retrouve projeté. Et Tad va utiliser ce système de voyage dans le temps, voyage dont on ne peut pas revenir, c'est un aller simple, il n'y a pas de retour, pour se retrouver tout simplement à l'époque de la grande traversée de Christophe Colomb avec ses trois caravelles, destination le nouveau continent qu'il souhaite découvrir, et son but sera d'arrêter juste à temps l'explorateur, le voyageur, le marchand, l'arrêter tout simplement, en s'en débarrassant physiquement. Alors une fois sur la caravelle, la grande question c'est va-t-il passer à l'acte? Comment va-t-il passer à l'acte? Seulement voilà, c'est pas si simple, il va être très rapidement identifié comme n'étant pas un homme normalement prévu au voyage, et il va être mis au fer, il va être torturé, mais toujours et encore avec cet espoir de mettre la main sur cet homme, Christophe Colomb, et de s'en débarrasser pour changer le cours de l'histoire et pour que ce massacre, pour que ce génocide programmé des Indiens n'ait pas lieu. Donc c'est intéressant comme récit, d'autant plus que le fameux Tad en question est plus un linguiste, c'est plus un intellectuel, c'est quelqu'un qui a assimilé toutes les langues possibles, beaucoup de faits historiques, quasiment jour par jour durant la traversée, de manière à savoir ce qui se passe et à agir avec intelligence. C'est pas un super héros bodybuildé qui est capable de se sortir de toutes les scènes d'action. C'est plutôt à la base un intellectuel, et ça rend son profil beaucoup plus intéressant de cette manière. En tout cas, c'est un élément qui m'a beaucoup plu dans le récit. Et puis Gianfelice au dessin, bah, c'est un grand plaisir de le retrouver. On en avait parlé sur cette petite chaîne avec Zagor Flash il n'y a pas très longtemps. Bon, il a un trait qui est incisif, il a une façon de mettre en scène les histoires qui les rendent énergiques et toujours vivantes. Et là encore, il fait un très bon travail et on a un grand plaisir à le retrouver donc sur Earth Divers. C'est sorti chez Black River Comics. Encore une fois, c'est un petit album qu'on n'attendait pas forcément, qui est sorti chez IDW aux States, mais qui fonctionne très bien. C'est le premier tome de cette série, et puis je vous recommande de vous pencher sur la question, parce que l'histoire est beaucoup plus intelligente qu'elle n'y paraît. Alors après, il y a quelques petits détails de cohérence temporelle qui sont un peu durs à avaler, ou en tout cas qui sont un peu étranges, mais globalement, c'est du bon récit, et c'est même bien au-dessus de beaucoup des récits temporels que j'ai lus ces temps derniers, donc ça mérite réellement que vous vous penchiez sur la question. Il y a des petits problèmes de relecture, comme ça arrive souvent malheureusement, ces temps derniers sur les albums Black River, donc je ne sais pas qui est le prestataire qui s'occupe précisément à chaque fois du lettrage et de la relecture, mais il va falloir faire attention parce que ça peut gâcher le plaisir dans certains cas. Par contre, vous, votre plaisir, ne le gâchez pas, donnez une chance à ce genre d'album. Earth Divers donc vous attend. C'est une lecture que moi, j'ai pris un grand plaisir à suivre. A très vite pour la suite des petites vidéos. Dans la semaine prochaine, il y en aura 3 qui vont arriver carrément. Pourquoi se priver? A très vite.